voyez, en fait, j'ai pas mal gratté tout ce que j'ai pu avec l'ongle. Et forcément, il reste de la colle bien dégueulasse. Donc, je vais vous montrer comment l'enlever. En fait, ce qu'il faut, c'est acheter ce qui s'appelle l'essence F. Vous la trouvez chez les quincaillers, Leroy Merlin, etc. Alors, attention quand même, parce que c'est un produit qui est quand même un peu fort. C'est un peu comme White Spirit. Moi, je prends en général deux feuilles de sopalin, mais les épaisses. Je fais comme ça. Je prends ma bouteille et je verse un coup. Hop, encore un autre coup, doucement, parce que ça, c'est un truc quand même qui est toxique. Et ensuite, je passe le sopalin sur la colle. Et en fait, cette essence F, elle enlève tout ce qui est trace de colle. C'est assez magique, franchement, ça marche super bien. Vous allez voir ça. Et ça n'abîmera pas le plastique en plus. Par contre, ça pue, hein, c'est une horreur. Fermez tout de suite la bouteille. Ouvrez les fenêtres. C'est important. Pas respirer ces produits-là trop longtemps quand même. Sinon, ça fait un méga shoot. Voilà. Et vous allez voir le résultat. Hop, je prends un chiffon. Et hop là, voilà le résultat. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout. C'est impeccable. Alors il y a des marques forcément qui sont de la console, hein, mais vous voyez, il n'y a plus de traces de colle, il n'y a plus rien. On le voit dans les reflets. Ensuite, petit nettoyage, on va en profiter. Donc pour l'intérieur, forcément, vous pouvez prendre produit vitre, etc. Mais pour ce qui est justement de la connectique des cartouches, vous pouvez prendre la bombe contact dont je me sers très souvent. Ça coûte dans les 10 euros à peu près aussi chez les dans le magasin d'électronique. Et vous envoyez, vous avez une paille en fait qui va avec. Vous envoyez un petit coup de paille ici. Hop. Voilà, vous laissez un peu mariner. Ensuite, vous prenez un petit coton-tige, vous le passez dedans doucement. Elle n'était pas très sale cette console au niveau des ports. Et là, on est bon. On n'a plus qu'à vérifier que la console marche. Hop, alors je crois que j'ai. Hop, et là, vous avez en bas, donc ici, démarrer le jeu Game Boy Advance. J'ai mis un Mario Kart. Ou qu'est-ce que j'ai fait? Et donc voilà le résultat. Voilà, le fameux Mario Kart. Voilà, ce sera tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques petites réponses. C'est vrai qu'on achète souvent des produits, que ce soit chez Cash ou en vide-grenier, où il y a souvent eu des étiquettes collées, etc., et qui sont très très chiantes à enlever. Donc voilà, pensez-y, c'est l'essence F, ça coûte à peu près, je crois, dans les 10 balles ou un peu moins. Et pareil pour le bon contact, c'est très très bon. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!